Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda Link's Awakening. Nous allons donc continuer notre aventure après avoir fait le temple des poissons. Nous allons donc continuer, mais cette fois-ci nous allons faire un épisode un petit peu bonus car nous allons faire un donjon bonus. Vous allez voir ça de suite, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, ça va très bien se passer. C'est parti, let's go. Eh bien, voilà un petit peu ce qui se passe. Nous sommes suivis par ce petit fantôme rose depuis notre arrivée dans un peu au village. Et donc ici, nous avons la solution, donc la bibliothèque, où nous avons la solution, ce livre que nous ne pouvions pas lire, hein, bien évidemment. Il suffit donc de foncer dedans. Voilà, dans Links to the Past, je suis resté bloqué extrêmement longtemps dans le même cas de figure où il fallait taper dans le livre. Sauf que bah, dans Link to the Past, le livre était important puisqu'il permettait d'ouvrir un donjon important. Donc je suis resté bloqué longtemps. Ici, c'est un donjon un peu facultatif. Mais on va le faire. Avant d'aller continuer dans la baie. Le pouvoir des couleurs repose sous 5 pierres tombales. 3 en haut, 4 à droite, 5 en haut, 2 à gauche et 1 en bas. Vous avez noté? Parce que moi j'ai noté. Poussez-les de toutes vos forces et une nouvelle voie s'ouvrira à vous. Le pouvoir des couleurs emplira la bille de celui qui pourra prouver sa valeur. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Mais on va le savoir. Parce que ce petit fantôme nous suit, donc c'est que... Il est temps, mais je crois que ça n'a pas de rapport avec cette quête. Et le pire, c'est qu'il va vite, parce que même quand on speed, il nous suit. Bon, après, il nous fait rien. On peut pas lui rentrer dedans, on peut rien faire. Donc, il nous veut pas vraiment de mal. Mais il me semble que tout se débloque quand on va dans le cimetière. Sauf que je crois que c'est pas par là le cimetière. Aïe. Amène-moi chez moi, vers la baie. Ah mais oui, mais il veut qu'on aille vers la baie. Oui, 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 c'est vrai qu'il... Il va nous enquiquiner. Mais moi, je veux faire le truc bonus, en fait. Donc, 3, 1, 1, oh. C'est vrai que les fantômes, on ne peut rien faire. Je crois que je me suis peut-être un peu avancé sur le fait de vouloir faire ce donjon. 2 hours later. Oh, oui. Donc nous allons aller à la baie. Puisque c'est comme ça. Nous allons nous téléporter à la baie. Hop. Ah mais oui, la maison. La maison. C'est sa maison. Oui, non, mais j'ai appuyé sur saut en fait. Voilà. Oui, hein, c'est bien ma maison. Voilà. Il fallait l'amener là. Oh, que c'est enquiquinant. J'avais un peu oublié ça. J'étais parti sur le cimetière, moi. Je voulais faire le truc du cimetière, donc pour moi, il devait aller au cimetière. En fait, non. Pensez à acheter des rideaux, parce que le reflet dans la télé est très désagréable. Que de souvenirs, rien n'a changé. Eh bah, t'avais intérêt à te faire attention là où tu marchais, mon gars, parce que... Est-ce que je peux casser la vaisselle chez toi? Oh. La 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 la.
Oui, ça y est, t'as fini. Assez, je veux retourner à ma tombe. Amène-moi à ma tombe. Tiens, qu'est-ce que j'en fais de ta baraque? Donc, ta tombe. Ah, mais oui, c'est la tombe qui est toute seule. La tombe qui est toute seule et qui est, je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est. Enfin, si, je vois à peu près où aller, mais je ne sais plus par où y aller. A few moments later. Elle est là, ça tombe. Oui. Nous y voilà. Je la voyais beaucoup plus bas, vers la plage, mais en fait pas du tout. Comme quoi le jeu petit, mais on s'y perd. Merci, je te donne mon trésor, il est à toi maintenant. Sayonara. Au revoir. Je pourrais pas le faire tout seul. Oui, flacon à fée, essayez de capturer une fée. Ah, notre ami le hibou. Ouh, cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mon garçon. Plonge dans les profondeurs de la baie de Martha et entre dans la gueule du poisson-chat. Plus tu te rapproches du poisson-rêve, plus son sommeil est agité. Tu es sur la bonne voie. Je peux pas faire le truc des fantômes, là. J'aimerais bien le faire, en fait. Nope. Maintenant que je suis tout seul. One eternity later. Allons-y. On va remettre... l'arc. Tididi, coquillage. Là, il faut reprendre notre souffle, hein, alors que... quand on combattait le boss. Oui, alors aller à la baie, je veux bien plonger dans la baie, je veux bien. Ah oui, c'est par là. Oui, mais j'ai pas la clé. Ah oui, mais j'ai plus de... Va-t'en. Va-t'en. Merci. Pour l'instant, je ne peux pas y aller. Bonjour, sirène. J'étais en train de nager dans la mer et une vague a emporté mon précieux collier. Si tu le retrouves, je saurai te récompenser comme il se doit. Oui. J'ai plus, je n'ai plus de... Alors j'ai un champignon, c'est complètement con, puisque j'ai un champignon pour faire de la poudre, mais je n'ai plus de poudre. J'en aurais eu fortement besoin. A few moments later. Thank you.
Alors il y a un truc que j'avais complètement oublié, c'était les trocs, les échanges. Oui, j'ai un peu regardé la soluce, mais on s'en fout. L'important c'est d'avancer. Et en fait, il faut que je donne l'ananas à cet homme. Comme je te l'avais prédit, me voilà perdu, mais je trouve un pour faire un pas de plus. Me nourriras-tu? Mais bien sûr. Et... en échange de l'ananas, il va nous donner la fleur d'hibiscus qu'on pourra les donner à... à comment s'appelle Ghislaine, le bouc qu'il y a dans le village des animaux. C'est un hibiscus. Thank you. Ah. Bon. Magie. Magie, magie. Quel délice il me redonne des forces. C'est cool. Bon, tu me lâches la grappe. Merci. Magie du montage, on va se retrouver au village des animaux. Et nous voici donc au village des animaux. Nous allons pouvoir aller voir Jacqueline pour lui donner l'hibiscus. En échange, elle va nous donner un nouvel objet. Non, c'est pas là. Je me suis trompé de maison. Donc c'est là sa maison à Jacqueline. Ça c'est... oui. Tiens, Ghislaine. Oh, tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander. Je peux? Non. J'aimerais te confier une lettre pour Monsieur White, qui habite à l'orée de la forêt. Merci d'avance. Oh, il rougit, hein. Il va se faire une chèvre, Monsieur White. Voilà, donc nous allons chez Monsieur Wright. Nous voilà donc chez Monsieur Wright pour lui donner la fameuse lettre. Il est tout content. Voilà, il a une lettre de sa biquette préférée. Une lettre de Christine pour moi, mais c'est formidable. Christine, c'est pas le nom pour une chèvre ça, Christine. Marguerite, non, Marguerite c'est plus une vache. J'ai même une photo. Quand il m'a dit ça, je m'attendais... j'ai pensé un truc de cul, mais non, ben forcément, il va te montrer Peach. Super, waouh, quelle beauté, j'aimerais te remercier. J'ai bien aimé le... Mario est dessus. Mario est dessus, et je viens de récupérer le balai. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de papier dans sa poubelle. On sait ce qu'il va faire avec cette photo. C'est dégueulasse. Et donc le balai, on va l'amener à mamie. Qui va nous donner... oh, je m'emmerde celui-là. Voilà. Ah, mamie, je me suis gouré de chemin. Forcément, ça n'arrive qu'à... qui va nous donner, du coup, l'hameçon pour la pêche. Qu'on va pouvoir donner au pêcheur. Qui va lui-même nous échanger... Tiens, mamie. Youpi, youpi, un balai neuf. Merci, c'est bien pour moi. Oui, mamie. Oh, bah, elle est contente, elle aurait réussi, elle arrive à le soulever. En remerciant, je t'offre un set absent. J'ai trouvé au bord de la rivière. Voilà. Donc, on va pouvoir donner l'absent au pêcheur. Et il va nous donner le collier de la sirène. Et la sirène va nous donner autre chose, et ainsi de suite. C'est les joies.
des vieux Zelda toujours bouger dans tous les sens pour récupérer des choses. Ce que je fais en hors, ce que je ferai hors vidéo, parce que c'est complètement inutile de vous filmer ça en fait. Enfin, ça va plus vous faire chier qu'autre chose. En fait, quand je vais aller au village des animaux, c'est plus proche du pêcheur. Voir ce pêcheur. Mais qu'est-ce que tu tiens, hein, n'est-ce pas un hameçon? Si tu me le donnes, je t'offre don de ma prochaine prise, d'accord? Ouvre les yeux et mate le pro. Wow, je sens qu'il est énorme. Youpi, un collier. Nous avons reçu un collier en échange de l'hameçon. Génial. Est-ce que quelqu'un l'aurait perdu? Ciao. Oui, c'est la sirène. Nous allons lui donner son super collier qu'elle cherche partout depuis des lustres, des temps immémoriaux. Tiens, Ghislaine, ton collier. Le voilà, c'est mon collier. Donne-le-moi. Merci, ça t'écorcherait la gueule. Je t'offrirai une de mes écailles. Oh, la coquine. N'en prends qu'une seule, hein. Une seule. Ça sent la crevette. Ciao. Voilà, nous avons l'écaille. Mais tous. Oh, il faudra la donner à la statue de la sirène. En attendant, je vais me mettre à l'abri. Voilà, près du téléporteur. Tout simplement. Tout simplement car la vidéo est terminée. Oui, nous allons nous arrêter là parce que l'épisode est très long. Nous allons donc nous retrouver dans l'épisode de demain où nous allons cette fois réellement attaquer le donjon des poissons. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi ce let's play. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez et retrouvez-moi sur les petits réseaux sociaux qui sont, je ne sais plus où, ils sont là, là, voilà, ils sont là, les réseaux sociaux, ils sont là. Donc, retrouvez-moi sur ces réseaux sociaux. Merci encore de suivre ce let's play. Et à demain, c'était Méric. Boujou, les internautes.